Moi, j'ai joué en Turquie, sauf que quand tu es dans un pays musulman, par exemple, pour parler du pays musulman, et je ne parle pas des clubs au Brésil, bah là, tu as des règles de vie qui sont mises en place et toi, tu fais avec. Ça me paraît logique. Sauf que quand toi, tu y vas, il faut que tu fasses avec, mais tu ne peux pas imposer dans un pays qui apportera des mais nous, on a un pays laïque. Il le fait religieux. Mais encore une fois, la Turquie est un pays laïque aussi. Depuis le président actuel. Il est bon. Ah oui. Alors, il a fait du bon travail pour la Turquie, pour son pays. Ah oui. Ah oui, je confirme. Il donne plus de droits à son peuple. Ouais, moi je te parle. Je vais te laisser avec Mais moi aujourd'hui, sur la liberté de la presse, c'est une véritable catastrophe avec Erdogan. On peut en discuter longtemps, ça. Ah non, mais le mec bute des gens s'ils sont pas d'accord, il bute des opposants, Je suis d'accord avec toi sur le dialogue. Juste pour conclure, moi je suis d'accord avec toi sur le dialogue, mais nous on a une difficulté, nous, dans l'afterfoot, dès qu'on parle de ces sujets-là, parce qu'il faut avoir les bons interlocuteurs, et tout de suite c'est des sujets fleur de peau, où ça déclenche des réactions qui sont épidermiques dans un sens comme dans l'autre. Évidemment. Voilà. Hein. Et c'est assez compliqué d'en parler. Franchement, assez compliqué d'en parler. Et on doit respecter la vue de chacun. C'est très important. C'est comme ça qu'on va y arriver. Respectons la vue de chacun, ou ayons un débat où on construit les choses. Et on avance ensemble. C'est très important. Moi, j'aime pas ceux qui sont enfermés. J'aime pas les ignorants aussi. Et les calomnies. C'est là-dessus, j'aime pas ça. Donc moi, je suis pour l'échange.